Hello les oracles, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais, comme chaque semaine, vous dévoiler votre horoscope de la semaine du 3 au 9 février 2020. Mais avant, comme vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir ma chaîne, je vais proposer à ceux qui ne me connaissent pas encore de noter mes coordonnées. Je suis Nicolas Ducarrois, médium clairaudient et voyant depuis plus de 12 ans en mon propre cabinet en Charente, mais également par téléphone. Vous pouvez me joindre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 pour une voyance par téléphone. Je vais donc maintenant vous dévoiler pour les 12 signes du zodiaque l'horoscope de la semaine du 3 au 9 février 2020. On va commencer tout de suite par le signe du zodiaque Bélier, une semaine qui vous offrira d'agréables moments grâce à une très bonne énergie. Dans le domaine sentimental, vous prendrez plaisir à vous retrouver par moments en tête-à-tête avec votre être aimé qui sera vous cocoter de petits moments cocooning. Dans le domaine professionnel, vous aurez envie de faire entendre votre voix face à quelques petits changements de dernière minute. Célibataire, vous aurez une certaine facilité pour aller vers les autres. Sous la couette, vous saurez transformer chaque moment en tête-à-tête avec votre être aimé en véritable instant de plaisir charnel. Les numéros chance de votre semaine seront le 3, le 8, le 21, le 22 et le 27. Le signe astrologique qui sera en cette semaine en parfaite adéquation avec votre signe du zodiaque sera le signe du Capricorne. Et le signe du zodiaque qui sera en parfaite fusion sentimentale et sexuelle avec votre signe astrologique sera le signe du Poisson. Prenons maintenant la direction de nos amis du signe astrologique Taureau. Une semaine très positive au niveau matériel, financier et professionnel. Dans le domaine sentimental, vous aurez tendance à prendre le dessus sur votre être aimé qui aura par moments du mal à l'accepter. Dans le domaine professionnel, vous serez placé sous de très bonnes influences énergétiques qui vous aideront à vous imposer avec intelligence. Célibataire, vous aurez du mal à vous ouvrir aux personnes présentes face à vous. Sous la couette, vous aimerez prendre le dessus sur votre partenaire pour réaliser tous ses fantasmes. Les numéros chance de votre semaine seront le 1, le 3, le 15, le 19 et le 30. Le signe astrologique qui sera en cette semaine en parfaite adéquation avec votre signe du zodiaque sera le signe du Verseau. Le signe du zodiaque qui sera lui en parfaite fusion sentimentale et sexuelle avec le vôtre sera le signe astrologique de la Vierge. Gémeaux. Avec le carré Lune-Mercure, cette semaine sera partagée entre des périodes mouvementées et des périodes de chance. Dans le domaine sentimental, quelques petites tensions apparaîtront entre vous et votre être aimé face à quelques difficultés extérieures à votre couple. Dans le domaine professionnel, vous aurez du mal à accepter certains changements de dernière minute qui auront tendance à trop se répéter à votre goût. Célibataire, un rapprochement aura lieu pour vous. Vous aurez envie et vous aurez vite l'impression de tourner en rond avec cette personne. Sous la couette, vous aurez du mal à trouver la bonne adéquation pour être en parfaite fusion charnelle avec votre être aimé. Les numéros chance de votre semaine seront le 4, le 6, le 11, le 21 et le 28. Le signe astrologique qui sera en cette semaine en parfaite adéquation avec votre signe du zodiaque sera le signe de la Vierge, alors que le signe du zodiaque qui sera en parfaite fusion sentimentale et sexuelle avec votre signe astrologique sera lui le signe du Scorpion. Passons maintenant à nos amis du signe astrologique Cancer. Une semaine qui vous permettra de vous mettre en avant. Dans le domaine sentimental, cette semaine sera particulièrement intéressante pour vous retrouver ou même pour faire avancer certains projets vous tenant à cœur. Dans le domaine professionnel, les très bons influx énergétiques présents autour de votre signe astrologique vous porteront très haut en cette semaine, vous permettant de réaliser certains changements importants pour vous dans votre domaine professionnel.
Célibataire, une nouvelle relation sentimentale pourrait bien avoir lieu pour vous dans les jours à venir. Sous la couette, vous aimerez réaliser certains de vos fantasmes les plus intimes, vous offrant encore plus à votre être aimé. Les numéros chance de votre semaine seront le 1, le 2, le 10, le 13 et le 29. Le signe astrologique qui sera en cette semaine en parfaite adéquation avec votre signe du zodiaque sera le signe du Bélier. Le signe du zodiaque qui sera en parfaite fusion sentimentale et sexuelle avec votre signe astro sera le signe du Poisson. Lion, une semaine qui vous semblera très lourde à vivre. Dans le domaine sentimental, vous aurez du mal à avancer face à certaines petites tensions qui rendront les échanges entre vous et votre être aimé délicats. Dans le domaine professionnel, quelques petites tensions pourraient bien apparaître également autour de vous. Célibataire, une trahison pourrait bien hélas avoir lieu en cette semaine. Sous la couette, vous aurez du mal à vous laisser aller dans les bras de votre partenaire sentimental. Les numéros chance de votre semaine seront le 3, le 6, le 21, le 23 et le 30. Le signe astrologique qui sera en cette semaine en parfaite adéquation avec votre signe du zodiaque sera le signe de la Balance. Alors que le signe du zodiaque qui sera en parfaite fusion sentimentale et sexuelle avec le vôtre sera le signe, lui, du Capricorne. Direction maintenant nos amis du signe astrologique Vierge. En cette semaine, vous aurez envie de réaliser un bon ménage autour de vous. Dans le domaine sentimental, votre être aimé devra choisir entre aller dans votre direction ou sortir de votre vie. Dans le domaine professionnel, cette semaine vous offrira la possibilité de vous positionner sur de nouveaux projets ou de mettre en place dans les jours à venir un changement professionnel important à vos yeux. Célibataire, une nouvelle relation pourrait bien voir le jour, mais attention, le charnel sera très présent. Sous la couette, vous aurez envie de réaliser vos désirs, quitte à les réaliser seul. Les numéros chance de votre semaine seront le 1, le 2, le 8, le 22 et le 27. Le signe astrologique qui sera en cette semaine en parfaite adéquation avec votre signe du zodiaque sera le signe astro du Taureau. Le signe du zodiaque qui sera en parfaite fusion sentimentale et sexuelle avec le vôtre sera le signe du Poisson. Balance, une semaine qui vous poussera à faire preuve de diplomatie. Dans le domaine sentimental, quelques petites tensions pourraient bien avoir lieu entre vous et votre être aimé, faute à quelques soucis financiers. Dans le domaine professionnel, vous aurez besoin et envie de prendre un peu de recul face à certains changements. Célibataire, il vous faudra faire très attention à certains beaux parleurs. Sous la couette, vous aimerez vous sentir désiré et faire languir votre être aimé. Les numéros chance de votre semaine seront le 3, le 6, le 12, le 13 et le 22. Le signe astrologique qui sera en cette semaine en parfaite adéquation avec votre signe du zodiaque sera le signe du Verseau. Le signe du zodiaque qui sera en parfaite fusion sentimentale et sexuelle avec le vôtre sera en cette semaine le signe du Lion. Direction maintenant un signe qui pique, le signe du Scorpion. Avec le sextile Vénus-Pluton, cette semaine sera une semaine particulièrement positive. Dans le domaine sentimental, vous aurez envie de vous rapprocher de votre être aimé et de lui accorder le maximum de temps. Dans le domaine professionnel, des changements positifs ainsi que de bonnes nouvelles apparaîtront autour de vous. Célibataire, les jours à venir vous réserveront d'agréables moments. Sous la couette, vous laisserez aller de plus en plus aux plaisirs charnels les plus coquins. Les numéros chance de votre semaine seront le 1, le 3, le 16, le 21 et le 28. Le signe astrologique qui sera en cette semaine en parfaite adéquation avec votre signe du zodiaque sera le signe du Taureau. Le signe du zodiaque qui sera en parfaite fusion sentimentale et sexuelle avec votre signe sera en cette semaine le signe du Gémeaux. Sagittaire, une semaine particulièrement délicate vous poussera dans vos retranchements. Dans le domaine sentimental, quelques petites tensions apparaîtront autour de vous. Dans le domaine professionnel, vous aurez l'impression que vos collègues comme vos responsables auront du mal à vous comprendre. Célibataire, cette semaine ne sera pas une semaine favorable aux rencontres. Sous la couette, vous aurez du mal à accepter les moments coquins que vous proposera votre être aimé. Les numéros chance de votre semaine seront le 2, le 6,
le 13, le 28 et le 30. Le signe astrologique qui sera cette semaine en parfaite adéquation avec le vôtre sera le signe du Poisson. Le signe du zodiaque qui sera en parfaite fusion sentimentale et sexuelle sera le signe du Taureau. Direction maintenant le signe du zodiaque Capricorne. Une semaine particulièrement agréable s'offrira à vous. Dans le domaine sentimental, vous aurez besoin de l'écoute et de l'épaule de votre être aimé pour faire face à quelques petits soucis extérieurs. Dans le domaine professionnel, un projet intéressant pourrait bien s'offrir à vous dans les jours à venir. Célibataire, une nouvelle relation pourrait bien avoir lieu pour vous dans les prochains jours. Sous la couette, vous troquerez les moments très coquins par de moments de réconfort dans les bras de votre être aimé. Les numéros chance de votre semaine seront le 1, le 2, le 17, le 19 et le 29. Le signe astrologique qui sera en cette semaine en parfaite adéquation avec votre signe du zodiaque sera le signe du Gémeaux. Le signe du zodiaque qui sera en parfaite fusion sentimentale et sexuelle sera le signe astrologique du Verseau. On va justement passer maintenant au signe astrologique du Verseau. Cette semaine révélera la partie de votre caractère la moins facile à assumer. Dans le domaine sentimental, vous aurez tendance à vous emporter trop facilement face à un partenaire qui aura du mal à vous comprendre. Dans le domaine professionnel, attention à vos propos qui pourront par moments être mal pris par certains de vos collègues. Célibataire, vous aurez tendance à rechercher la perle rare, qui hélas ne sera pas sur votre chemin en cette semaine. Sous la couette, vous réaliserez de nombreux de vos fantasmes en cette semaine. Les numéros chance de votre semaine seront le 2, le 6, le 20, le 25 et le 30. Le signe astrologique qui sera en cette semaine en parfaite adéquation avec votre signe du zodiaque sera le signe du Cancer. Le signe du zodiaque qui sera en parfaite fusion sentimentale et sexuelle avec le vôtre sera en cette semaine le signe du Bélier. Passons maintenant au dernier signe de notre horoscope de cette semaine, le signe astrologique du Poisson. Cette semaine sera grâce à la conjonction Vénus-Neptune, une semaine particulièrement marquée par l'amour. Dans le domaine sentimental, vous vivrez le parfait amour avec votre être aimé. Dans le domaine professionnel, vous aurez tendance à vouloir venir en aide à tous vos collègues au risque d'être parfois pris pour une bonne poire. Célibataire, vous aurez envie d'être aimé, quitte à vous glisser dans les bras de partenaires tournés plus vers le charnel que le sentimental. Sous la couette, cette semaine sera particulièrement coquine. Les numéros chance de votre semaine seront le 1, le 2, le 12, le 21 et le 28. Le signe astrologique qui sera en cette semaine en parfaite adéquation avec votre signe du zodiaque sera le signe de la Vierge. Le signe du zodiaque qui sera lui en parfaite fusion sentimentale et sexuelle avec le vôtre sera le signe du Capricorne. Et voilà mes amis, cet horoscope de la semaine du 3 au 9 février 2020 prend fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera, comme toujours, à mieux préparer les événements importants des jours à venir. N'oubliez pas, si vous souhaitez me joindre personnellement, vous pouvez prendre immédiatement contact avec moi par téléphone au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de répondre personnellement à toutes vos questions lors d'une consultation de voyance par téléphone. Si vous souhaitez me joindre via mon site internet, vous pouvez vous rendre maintenant sur le site www.mon-oracle.com. Vous retrouverez de toute manière sous cette vidéo toutes les informations nécessaires pour me suivre et pour me contacter pour une consultation de voyance téléphonique. Je vous remercie encore de votre fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire avec un petit like et surtout en la partageant sur les réseaux sociaux avec vos amis. Je vous souhaite de passer une belle et douce semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos animaux et à très vite.